Aujourd'hui, nous allons parler du vol d'adresses courriel ou de la vente d'adresses courriel et nous allons voir ensemble comment vous pouvez procéder en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu pour détecter quelle compagnie a vendu votre adresse courriel. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, d'habitude, lorsque vous partez sur un site internet et vous remplissez vos informations personnelles, ça peut arriver que certaines compagnies utilisent ces informations pour vendre à des personnes tierces. Donc, nous allons voir ensemble comment procéder. Donc, je vous invite tout simplement à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner pour que de temps en temps, si je partage ces informations, vous puissiez en bénéficier. Et si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, n'hésitez pas surtout à commenter, partager, donner votre avis afin que nous puissions développer la communauté. Donc, je vous présente mon écran et nous allons voir ensemble comment détecter quelle compagnie a vendu vos informations. Et en fait, du moins, juste pour rappel, ça c'est vraiment juste pour les utilisateurs qui utilisent, des personnes qui utilisent l'adresse courriel Gmail. Si j'ai une adresse courriel Gmail qui est par exemple test à commercial gmail.com, c'est possible, si j'utilise des variations, n'importe quelle variation, par exemple, si j'utilise n'importe quoi après ces tests-ci, à commercial gmail.com, ça va toujours l'adresse courriel sera toujours envoyée à test à commercial gmail.com. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je veux par exemple envoyer un courriel, mettre mes informations personnelles sur un site internet et que je mets par exemple test plus prositeweb par exemple point ca à commercial gmail point com, là automatiquement, l'adresse, le message ici va être envoyé à mon adresse courriel. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si par exemple je vais sur le site internet de ProcedWeb et que j'aimerais m'enregistrer pour contacter et que j'envoie l'adresse courriel, j'adresse plutôt que de mettre mon adresse courriel test à commercial gmail.com, j'envoie plutôt test plus ProcedWeb à commercial gmail.com. Donc, ProcedWeb aura mon adresse courriel et dès qu'ils vont m'envoyer le message, moi je vais répondre à mon adresse courriel test@commercialgmail.com. Et là maintenant, supposons que bon, ProcedWeb décide de vendre vos informations à quelle compagnie? À Google par exemple, à Google peut-être. Bon, c'est vrai comment ça c'est. À Google.com. Et Google, vous recevez donc un courriel de Google avec l'adresse courriel test pour plus ProcedWeb@commercialgmail.com. Donc, vous pouvez savoir que ProcedWeb a vendu vos informations à Gmail, à Google. Donc, et là, ça vous donne beaucoup plus ou moins vraiment une façon de détecter que la compagnie a vendu vos informations. Ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout à bientôt. Bye.